La Petite Reine, c'est un mode de, c'est une entreprise donc de transport. On est prestataire de service dans le transport. On prend en charge en fait dans un périmètre vraiment hyper urbain. On prend le relais des gros transporteurs pour qui on travaille pour acheminer en fait des colis petits, gros, on va dire de la périphérie de la ville au pas de porte du commerçant ou du particulier. Maintenant, sur notre période de gros volume, comme le mois de décembre, on peut prendre 180 kg, ce qui n'est pas forcément très très difficile en fait. L'assistance électrique est tellement performante qu'on peut aller jusqu'à ce poids-là. On a 4 sites en France. On a la Petite Reine Paris qui a été créée il y a à peu près 7 ans. Ensuite, il y a eu Bordeaux, Rouen et Dijon. Il y a aussi un franchisé qui est à Genève. Donc vous avez une caisse d'à peu près 1,5 m qui permet de ranger. On a l'impression que ça peut être un petit peu petit comme ça, mais on peut ranger vraiment pas mal de colis. Un châssis métal, une forme de vélo traditionnelle, sauf que sur la roue avant, on aperçoit en fait au centre le moteur électrique. Voilà. Sur la droite du guidon, vous avez une poignée type scooter. On l'enclenche exactement comme un scooter, et là en fait ça veut dire qu'on demande l'assistance électrique, mais elle ne marche pas si vous ne pédalez pas. C'est vraiment une assistance électrique. Sur la gauche, vous avez des vitesses vélo traditionnelles, on a jusqu'à 3 vitesses. Et en bas, je ne sais pas si on va le voir, on peut le voir aussi, on a un emplacement pour deux batteries en fait. Donc, ce qui nous procure une autonomie vraiment suffisante pour travailler au moins une demi-journée en fait, en autonomie.